Aujourd'hui, Abordons Apple Page avec le concept euh, de la gestion des images. Alors, j'ai une image ici que je sélectionne. On voit qu'elle n'est pas parfaite. Alors, dans la section images, en fait, du panneau inspecteur, j'ai les styles, l'image, la disposition. Alors, peut-être ici, on va commencer par images pour être capable de pouvoir lui euh, faire une petite correction ici. Donc, il y a une petite, un petit panneau comme ça qui va me permettre, moi, d'aller chercher les tons clairs un peu plus foncés pour remplir mon coin. Euh, comme ça, ici. Euh, je vais jouer sur mes ombres, je vais jouer sur la netteté, euh, l'exposition légèrement, comme ceci. Alors, mettons que je suis content, alors je peux réinitialiser. Pardon, je peux réinitialiser. Ah! Alors, aujourd'hui, Apple Page, les images. Alors, euh, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, aujourd'hui, Apple Page. Je vais vous montrer comment faire des corrections d'images, de faire du détourage. Bref, de gérer les images, petites ou grandes, dans un document Page. Maintenant, je sélectionne mon image. Dans le panneau inspecteur, en fait, pour les images, ça devient style pour choisir euh, un genre de gabarit, en fait, qui peut afficher des ombrages avec des genres de cadrage. Ou je vais choisir ici une ligne tout le tour. Alors, en mettant ici une couleur de ligne, peut-être noire, comme ceci. Alors peut-être moins comme ça ici. Alors deux points. Alors je peux très bien choisir ligne ou encore cadre de l'image. Alors là, il me propose des cadres. Alors, si c'est une image plus ancienne, ça peut être ça. Alors on remarque ici que ça fait un, un détourage, un habillage. À ce moment-là, l'habillage, ça va être au niveau de la disposition. Alors je vais demander est-ce que l'habillage est automatique. Alors 12 points d'espacement. On va augmenter, en fait, on va diminuer la, la, la distance. Il y a aussi les ajustements. Est-ce que c'est autour, du texte autour, ce qu'on appelle l'habillage du texte, alors au-dessus, en-dessous. Alors, on voit qu'il y a plusieurs choix possibles au niveau euh, de, de ces trois panneaux. Alors, la disposition me donne, le, le, en fait, l'occasion de modifier euh, l'achemin du texte, donc l'habillage autour de l'image, d'envoyer ou de, de, de positionner, en fait, mon document en avant ou en arrière-plan, un peu comme dans, dans la disposition ici. Alors... Euh, à, en fait, la partie qui est en grise ici, mais vu qu'il y a juste un élément, c'est avancer d'un plan, placer dans l'arrière-plan, reculer d'un plan, mettre à l'arrière-plan. Moi, euh, bon, j'aime pas beaucoup ce style de cadre-là, fait que je vais revenir ici, je vais mettre plutôt rien comme ça ici. Donc, je me retrouve avec mon espace. Et là, dans ma disposition, bien, je vais venir augmenter ma distance de chaque côté, en fait, en, fait, en haut et en bas, selon le type d'habillage que j'aurai choisi. Alors, tout le tour, ça ne me sert à rien, sauf que si je fais tout le tour puis que j'ai choisi ça comme ça, ou d'un côté, il va faire tout le tour, mais ce ne sera pas esthétique à cause de... Euh, D'un côté, ça va être... Euh, en fait, ça va être un drapeau euh, gauche. Alors, euh, dans ce cas-ci, il vaut mieux une image qui commence comme ça ici. Alors, si je veux faire une vignette, alors ça s'aligne ici avec les petites lignes jaunes sous le bord de ma marge. Et c'est une façon de représenter mon image. Maintenant, je peux augmenter euh, par rapport à, à mon texte la, la distance par rapport à ça ici. La distance channel, alors comme ça ici. Alors, je donne un exemple. Pourquoi sa distance Regardez la, 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 la ligne qui est ici, l'entre-deux-guerres. Il y a un petit décalage qui ne suit pas l'alignement. Alors, j'augmente ici par rapport au masque alpha. Et ici, je peux augmenter l'espacement. Maintenant, euh, je peux aussi jouer sur la taille du document. Je peux aussi jouer sur la position. Comme ceci. Alors, c'est à moi de voir ce que je veux faire exactement. Alors, je peux aussi pivoter mon image si c'est nécessaire. Alors, ça, c'est une première étape. Alors, maintenant, si je, si je reviens, pardon, au style. Alors, moi, euh, oui, peut-être une petite ligne noire, deux points, ça me va. Ou encore, je pourrais demander aussi pas d'ombre ou ombre détourée, qui ferait comme une ombre normale. Alors, là, je peux jouer sur le flou, je peux jouer sur le décalage. Je peux jouer sur l'opacité, un peu plus pâle. Vu que si c'est flou comme ça, c'est un peu plus pâle parce que l'image est posée plus distante du fond. Alors, si je veux quelque chose de réel ici, un peu moins de flou, un peu moins de décalage, à ce moment-là, plus d'opacité parce que l'ombrage est proche par rapport à l'objet. Alors, ça, c'est un choix. Ou encore, j'oublie l'ombrage de base, puis je vais prendre le nombre de contacts. Alors, c'est comme si l'image était déposée. Ça, j'avoue que je pas ça. Alors, si je reviens voir ici dans ma section images, euh, l'ajustement ici. Euh, on va foncir les, le, le coin un peu comme ça ici. On va éclaircir les ombres. On va jouer sur le contraste un peu. Oups, ça c'est trop. Alors, on va éclaircir tout ça. Un peu moins de contraste. Euh, les ombres, comme ça ici. Alors, suppression du bruit, netteté un peu. Température, on va vieillir l'image un peu. On va la donner une chaleur comme une image sépia. Puis ici on va essayer de positionner l'image. Un peu plus haute comme ça ici. Et voilà, pour s'aligner sur le dessus. Et voilà. Maintenant, euh, bon, qu'est-ce que j'ai si je veux rajouter une image à ça? Je donne un exemple. Je veux rajouter... Euh, un casque de navigateur de cette époque-là, de pilote de cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Bon, je peux la réduire comme ceci. Le problème, c'est que le fond. Bon, donc, je voudrais illustrer le coin ici parce qu'il y a un coin blanc. Je voudrais montrer le casque de ça ici. Ce qui est intéressant de savoir ici, c'est qu'avec la fonction euh, qui existe par rapport à euh, modifier le masque ou et euh, l'alpha instantané, alors modifier le masque va me permettre de réduire mon image pour être plus proche de la bordure en fait, du contour de mon, de mon item, de mon, de mon casque de pilote d'époque, comme ça ici. Maintenant, si je fais euh, Terminer, j'ai encore, bon, je vais vous donner un exemple, dans la Disposition, ici, je pourrais dire euh, Aucun. Alors là, l'image se superpose sur tout, OK? Et maintenant, regardez bien, j'ai du blanc tout le tour. Alors, c'est bien à ce moment-là que l'image Alpha Channel ou Alpha Instantanée, je vais prendre ça ici et je vais pouvoir me promener autour et à l'intérieur et me faire un instantané. Et après ça, repositionner, réduire mon image. Et là, à ce moment-là, ça va être important. Ça va, bon, ça serait intéressant, en fait, pas important, mais intéressant de mettre un ombrage euh, détouré, comme ça ici. Alors, peut-être assez distant. Décalage. Pâle. Flou. Un peu plus foncé, pour le démarquer, puis peut-être le mettre sur le coin comme ça ici. Alors, et là si maintenant j'active l'élément ici, alors euh, automatique ou autour, autour comme ça ici. Alors là, on voit ici que le texte va suivre la forme de notre élément. Alors voilà, c'est avec ça qu'on peut gérer les images avec le, le menu style. Alors, qui me permet de choisir un, un style de bordure, un style d'ombrage, euh, même un reflet à la limite si je voulais un, un effet de reflet. Mais ça, c'est plus intéressant si c'est appliqué euh, peut-être à une image qui est euh, déjà avec un aplat comme ça et à laquelle on peut euh, aussi jouer un peu comme ça ici. Pas trop. Et voilà. Donc, ici, donc style pour modifier les aspects euh, des attributs euh, ombrage, cadrage et euh, effet de, de reflet et de. En fait, de reflet d'ombrage et reflet euh, de. Euh, pas perspective, la perspective est ici aussi. Alors, donc, tout ça, c'est des options qu'on peut essayer. Euh, dans la section image ici, euh, je peux remplacer l'image par ici. Je peux modifier son masque pour réduire euh, le, le contour. Pour, un peu comme l'objet qui est ici, qui est un casque, il y avait beaucoup de blanc autour. Et l'alpha instantané qui me permet de supprimer le blanc. Euh, puis les, les ajustements d'exposition minimale, exposition, saturation. Le bouton qui me permet d'aller chercher euh, ici. Le, l'ajustement d'image, que je peux aussi initialiser. Je peux aussi donner une description de mon image ici, qui est le texte alternatif. Donc ça, c'est important de le remplir pour un, un document qui est accessible. Et dans la disposition, section disposition, je vais pouvoir jouer sur l'habillage de texte, l'alignement, la taille, la position et le pivotement. Alors voilà, c'était la section images d'Apple Page. À votre tour d'essayer.